femme à chaque bras. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fifoux et bienvenue dans le 40e épisode du Nibiru. Ça y est, j'ai fini mon petit couloir cosy. J'ai un peu galéré avec les fauteuils là parce que j'avais pas compris comment les colorer. En fait, c'est avec les carpettes vanilla là, les colorées là, la laine, les trucs plates laine. Et voilà, et c'est avec ça qu'on colore. En fait, c'est comme un tissu dont on recouvrirait la banquette. On peut s'en servir comme nappe aussi par-dessus les tables, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, maintenant que le couloir est terminé, qu'on a mis des tableaux, qu'on a tout décoré et tout, bah, il faut commencer avec les zombies. Alors les zombies, j'avais envie de les faire tomber du haut, du spawner. Alors, il y a des trous au plafond parce qu'il va falloir s'occuper après là-haut. Ici, je voudrais que quand ils tombent, on les pique. Et il faut un petit tour en tapis roulant jusqu'à là. Ils reçoivent une deuxième piqûre. Ils font un petit tour jusqu'à là. Ils reçoivent une deuxième piqûre. Alors, je voudrais savoir au bout de combien de temps ils vont être transformés en Pinji. Et arrivé par là, je sais pas comment faire. Faudrait les... C'est par là qu'il faudrait les séparer. Ceux qui se seront transformés. Mais déjà, il faudrait voir combien de temps ça va durer. Alors, ce que je propose... Je propose... Bleached, j'en ai pas. On va en prendre un peu. On va donc... je mettrai certainement une déco derrière le mur. Donc on va se faire comme ça. Le tapis roulant, un bloc au-dessus, histoire de faire genre. Qu'ils soient observés et qu'ils marchent dans quelque chose. Ok. Et on mettrait le vert devant. Donc il faut mettre encore ça. Du vert blanc. Hein ? Pas des petits verts blancs. C'est pas pareil. On mettrait le truc à piquer par ici. Avec ce qu'il faut de tesseract autour pour que ça fonctionne. Et il tomberait donc de là-haut. Tink. Et là, on les emmènerait. Là, on les piquerait. Et là, on repartirait en comme ça. On va faire ça vite fait. Il n'y en a plus évidemment. Si, il y en a encore un stack. Ok.
Et là, la question est, est-ce qu'avec deux piqûres, on est sûr qu'ils ont eu le temps de se transformer s'il y en avait parmi eux? Sachant qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, puisque les zombies qui seront aussi sur le tapis, ils vont essayer de tuer les PNJ. Ah, c'est leur seul objectif dans la vie, c'est de tuer des PNJ. Donc, il faut, à partir du moment où ils sont transformés, assez vite, les faire un routage. S'il y a un routage, je propose qu'on emmène d'un côté en hauteur. Alors peut-être qu'on peut faire le routage quelque part là. Et tac, on les emmène sur le côté. Et un truc les emmène en hauteur. Alors peut-être vers l'arrière. Les Pinji. Et là, on leur fait prendre le train par là, je sais pas comment. Et les zombies, on les emmène dans une petite pièce sombre ici, et là on les tue irrémédiablement. On les sacrifie, n'est-ce pas? On récupérera au passage la viande de zombies, on fera peut-être doublera le spawner pour que ça bouffe moins de mob essence. Ouais. Bon, ouais, je vais en fabriquer ce qu'il faut, c'est-à-dire un truc pour les piquer. Déjà, l'idée, ça va être de les piquer avec une seringue de dézombification. Donc la syringe en question, elle se fait avec des golden apples. Donc déjà je crois qu'on peut faire cette recette. Et la rentrer dans apply. N'est-ce pas? Tuc, tuc, tuc. En code. Hop, on va mettre ça. On sait pas trop. Le truc un peu vanilla, il n'y en a pas. Un peu vanilla. Pas trop. Un peu quand même. Bon là, c'est un peu vanilla ça. Voilà. Ok, c'est bon. La syringe maintenant. Alors. Est-ce que si je fais un pan? Ouais. Pink. Il est capable de faire ça. Et normalement, des syringes, il y en a. Parce qu'on en fait déjà pour faire regrossir les vaches. Les vaches en général, elles font plutôt des régimes, mais celle-là, enfin non. C'est pour faire grossir. Dézombification syringe. Donc ça nous donnera un modèle. Oui, j'ai juste oublié un truc. On va aussi mettre ce craft-là. Pomme, 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 pomme. En code. Parfait. On a tous les modèles de tout. Je sais pas où était l'autre seringue. On doit en avoir une autre quelque part. Ensuite, arrobas mode.minefac. Voilà. Il vous faut vétériniste. Oh, je vais pas y arriver. Veterinary Station. Voilà. Ouais. Alors, Veterinary Station. Un basic machine, du plastique, deux plaques de zinc, un advanced set circuit. Déjà le plastique. Plastique. Craft. Allez! Go! Go, go, go! Bizarre que ça mette autant de temps à venir. Ça y est. Il est venu. Je l'ai vu. Oh! J'avais cliqué déjà. Ok, basic. C'est parti mon kiki, basique, tink, basique et puis quoi d'autre? Je sais même plus. Ah oui, advanced circuit. Allez, on va déjà commander ça. Advanced circuit. Faut que j'arrive à en avoir toujours ça. Ça c'est vraiment embêtant. Faut vraiment que je m'occupe de l'automation. Il manque toutes les machines thermal. C'est long. Et du zinc. On y est enfin. Hep. Faudra l'alimenter, donc on a des tesseracteurs. Ils sont complets ceux-là ou pas? Je sais jamais. Non, on peut pas les stacker, donc ils sont complets. Ok. Tesseract, c'est bon. Pourquoi j'en veux deux? Ah, c'est parce que... Non, il en faut trois même. Parce que du coup, il va falloir... Quand on peut pas faire une liaison, là, c'est pour traverser le plafond pour apply et tout. C'est dans un coin où j'ai pas. On va faire la même chose que pour les fermes. On va remplir ici. On va mettre ça comme ça.
Même basique d'ailleurs, on s'en fout. Ça suffit très bien, basique. Parce qu'en fait, on va lui dire qu'on veut mettre. Ah non, il faut lui dire craft. Donc, on est obligé de prendre celui-là. Ok. On va se faire syringe, syringe. Voilà. On va se faire un petit départ comme j'ai fait ici là, mais je sais pas. C'est pas très joli. Je sais pas où les mettre. Faudrait que je fasse un truc un peu plus définitif. Là, c'était pas mal. Là, j'avais mis ça, mais on peut l'enlever, je crois. 4, 4, c'est au milieu. Bon, on va peut-être se mettre là. Là, c'est pas mal. Bon, il y a la petite lampe qui vient se coller, mais c'est pas grave, ça. Toc, toc. On va créer le canal. Je sais plus combien. J'ai déjà oublié. Pour la dirt, c'était le 22. Donc, on va prendre le 23. On va appeler ça des ombes. Des ombes. Des ombes. Comme ça. Des ombres. Ok. Plus. C'est fait. On lui dit que c'est que des items. Send. Voilà. Et on va lui coller ça comme ça ici. On est relié. On lui dit Horcraft. Et tu m'envoies des seringues de dézombification, n'est-ce pas? Maintenant, on va en bas. Et nous allons mettre cette chose-là. J'allais dire, on pourrait enfermer dedans. Mais en fait, non. Très mauvaise idée. Non, c'est pas ça. Ah, du coup, j'ai fait tomber un panneau. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. On va faire comme ça. Toc. Sauf que pour le mettre dans l'autre sens. Ah ben voilà. Parfait. À mon avis, comme ça, c'est bon. On va lui mettre les seringues d'un côté, de l'électricité en dessous. Donc ça, c'est MFR. Je me souviens plus ce qu'on avait dit. Ah, biofuel pour MFR. Parfait. Toc. Valider. Receive only. 1, 1, 1. Blockade. Blockade. Tougou. Donc ça, c'est l'électricité. Parfait. On va mettre ça. Ils vont tomber là. Ok. Comme ça. Ça sera les seringues. Donc le 23, hein, le dernier, le désombe. Receive only. Et normalement, ils vont essayer de piquer tous ceux qui vont se trouver devant eux. Ça a l'air de poser un problème. Je vois pas bien lequel. Ah, le plastique, le temps qu'il fonde, peut-être. Les seringues usagées. Ah, flûte. Faut aussi les extraire. Donc, à mon avis, il faut un Ender Chest. Tout simplement. Avec un diamant. Allez, allez. Mais tout est long. C'est moi ou tout est long? C'était plus rapide. Ender Chest. Ah non, c'est bon, c'est fait. Ok. Qu'on mettrait là. Qu'on privatiserait. Privatiserait, j'ai dit. Et on lui dirait un item. Un item duc. Item duc. Avec. Toc, toc, toc. Un item duc avec un cerveau. Un item duc intelligent, donc. Voilà. Qui pourrait extraire, n'est-ce pas, les seringues usagées. À part qu'on va lui mettre un filtre. Flûte. J'aurais pas dû la remettre dans le tri. Parce que j'ai pas confiance. Allez, parce qu'on recycle les seringues usagées, hein. On les jette pas. C'est pas des seringues jetables. En même temps, pour piquer des zombies, ça va bien, quoi. Voilà. Donc ici, on va lui mettre whitelist seringue usagée. Hein, voilà. Et on l'active. Ah oui, il faut lui dire d'ignorer la redstone.
Voilà, il enlèvera les seringues usagées. Ouais, il les enlève. Parfait. Très bien, viens là, toi. Allez, on range ça dans le tri. C'est gagné. Ça doit marcher. Donc, on les fait tomber de là-haut. On fera le piège au-dessus. À partir de là, moi, j'avais envie de faire des décos ici avec des panneaux. Mettre des choses de couleur. Mais je ne sais pas encore comment. Je vais aller en faire. Alors, j'en avais fait de nucléaire control. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Panel. Non. Panel. Voilà, c'est ça. On pourrait faire un grand. On pourrait faire des. C'est ce que j'aime bien les couleurs. On peut avoir plusieurs couleurs. Enfin, je sais pas. Je dis ça. On pourrait avoir quelque chose voilà, avec les extenders comme ça. Ça va l'étendre. Je sais pas combien de fois 3 on peut en mettre. Faut que je compte. Donc celui-là. Mettre un texte, éventuellement lui dire que la couleur du 1 est noire et qu'on écrit, je sais pas, en jaune ou en fuchsia, tiens. Puis mettre des trucs dedans. La seule chose, c'est que j'ai pas l'impression qu'il passe en noir. Même si, ah si, si on l'allume, très bien. Ça pourrait être pas mal. 3 de haut. Je sais pas comment faire. Le vert devant. Alors on a les tapis là. On peut faire comme ça. On lui met les lampes blanches au-dessus. Alors faut que je m'arrête là. Là je fais le même système que là. Faut que je fasse des cartes texte pour voir ce qu'on peut faire et que je fasse des lumières blanches et après je mets du vert blanc lisse devant. Au noir comme la porte. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme texte? Phase 1, phase 2, enfin, des différentes couleurs, je sais pas, enfin un délire. De toute façon on pourra pas animer, hein, ça peut pas bouger ça. Donc on peut avoir juste du texte. Ça, c'est juste pour changer l'orientation des trucs. On pourrait peut-être d'ailleurs faire une espèce de panneau de contrôle ici avec. Je vais en faire d'autres. On va faire tout ça. Texte carte déjà pour tester. Ouais, c'est rigolo. Des zombifications en phase 1, waiting. Non, on les voit passer. Ici. Processing. Tentative 1. Processing. Tentative 2. Voilà, waiting. Voilà, on fait un truc comme ça, on change de couleur à chaque fois, ça peut être rigolo. Ouais, c'est rigolo. Ici, on ferme comme ça, histoire qu'on voit pas. Voilà, comme ça. Là, je vais mettre une rangée de lampes blanches. Est-ce que j'en ai? J'en ai. Mais je vole encore là. Ah oui, d'accord. Ça s'est encore foutu. Oh, ça faisait longtemps, tiens. Voyez, c'est reparti. Je l'avais pas quand j'en avais besoin. Ça se mettait pas en route. Hop, 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 hop. Alors, on va continuer. Bon, j'en ferai d'autres. Ok. Là, bien sûr, faut que ça soit caché. Donc, il y aura ça devant. Juste que ça vienne doucher. Bleached. Je sais pas, je le voulais en surf. Oui, je le voulais un petit peu en hauteur exprès pour que ça fasse vraiment les cobayes qui passent. Ouais, mais je préfère qu'on le voit ça ici. Là, au moins, on verra le premier. On verra un peu le deuxième en se penchant un peu. Ouais, si on se met comme ça, on le verra. C'est pas mal. Ici, ça sera fermé comme ça. Là, ça sera fermé par les panneaux de toute façon.
Voilà, et devant du vert. Vert blanc, là. Ouais, ça fera très bien. Et puis on va se faire un bureau. Une espèce de... comme ça. On mettra un siège devant. Et en mettant un truc penché, je sais pas, on va voir. Ou avec un escalier peut-être. Bleached, 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 bleached. On peut le faire blanc, on peut le faire d'une autre couleur, d'ailleurs faudrait essayer. Se faire un espèce de grand panneau comme ça. Toc, avec un écran en biais au-dessus. On y met un tabouret blanc devant de chez Bibliocraft. Ici il faudra fermer également. Du coup ça me plaît pas ça. Flûte. Donc j'ai assez envie de faire un plan comme ça. Ouais, mais alors du coup le panneau il va pas non plus. Donc on verra après. Faudrait le bouger d'un, c'est-à-dire le ramener jusqu'à là. Toc, toc, toc. Ou un peu. Hey! Moi aussi, je me fais piéger. Comment on peut faire? Enfin, je le ramène par là. Mais il faudrait que ça soit à peu près au milieu. Comme ça. Vers là. Il faudrait qu'il y ait un truc là. Donc 1, 2, 3. Ça irait jusqu'à là. Et là, faudrait... On met qu'un entre les deux, et puis voilà. Non, 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 non. Ça va pas. Bon, je fais ça et on se retrouve, parce que ça va être long là. J'ai envie d'utiliser le vert des Big Reactors. Je trouve qu'il est bien lisse et complètement transparent. J'aime bien. Parce que celui-là, il y a quand même des trucs blancs. Puis c'est beaucoup plus blanc que le Bleached. Oui, que le Bleached. Donc je pense que c'est mieux celui de Big Reactor. Ah, j'y suis presque. Je trouve que comme ça le fait bien. Donc ils tombent par le trou qu'ils sont là. Toutou, ils ont 3-4 blocs. Je crois que c'est une distance à peu près 3-4 blocs. Pour avoir une piqûre dans le dos. Ah, foudroyé. Ceux qui ont été ratés sont piqués à nouveau. Ici, j'en ai mis un autre, exactement le même. Voilà, donc on a dézombification, phase 1, waiting, first try, processing, second try, processing, tac, une deuxième piqûre, phase 2, waiting, et là c'est la dernière chance, hein, s'ils n'ont pas été transformés en zombies, on les zigouille. Donc j'ai envie de mettre directement un grinder ici, qui va les tuer. Mais comme le grinder, j'ai remarqué qu'il est... Ah, je veux sortir! Qu'il est un peu lent, bon, on va sortir par le haut. Si on met le mob router ici pour éjecter les PNJ, si ça marche, pas sûr. Point sûr, mon gars, point sûr. Je sais que le mob router, Chenchi a eu un problème, c'est qu'il est incapable de reconnaître un zombie à gros nez d'un zombie à petit nez. Mais normalement, ça devrait aller. Alors je propose de faire la salle et de mettre des convoyeurs. De manière à ce que ça tombe dans le petit trou et ensuite de poser. Voilà, on va le mettre comme ça, on fermera le haut après. On va quand même les empêcher de sortir au cas où. Voilà. Ils vont être coincés. Donc je vais me débrouiller ici pour faire un système, une petite salle de spawn. L'idée c'est de les faire tomber là-dedans. Voilà. Donc je fais une salle normale. Trois de chaque côté du spawner. Que je vais mettre un petit peu une case au-dessus. Même pas, et on peut le poser au milieu. Ils vont spawner autour. Comme il y aura deux couches. Ouais, je vais faire comme ça. A tout de suite. Voilà, cette cage me paraît très bien. Donc j'ai mis le vert de Extra Utility, je crois. Celui qui laisse pas passer la lumière. Donc normalement, même si c'est éclairé autour, ça ira très bien. J'ai mis une grosse lampe éteinte, hein, pas une inverted pour une fois. Et je vais faire quelques raies nettes. J'aimerais faire passer... Ah bah j'ai fermé. Mongolien!
Voilà, faire passer le câble ici et l'emmener à côté des panneaux de commande. Là, au passage, je suis assez content de moi. C'est des blocs de graphite, ça, que j'ai mis sur des carpenters à l'envers. Ça fait un chouette panneau de contrôle. Moi, j'aime bien. Voilà. On pourrait le faire sortir par là et mettre un interrupteur. Faire descendre le tuyau. Ça aurait peut-être été mieux. Bon, c'est rigolo comme ça, après tout. Non, ça peut être bien, Rennet. Comme ça, on peut allumer ou éteindre le piège. Moi, j'ai une grosse lampe au-dessus du spawner. Ça devrait les calmer. Si, si. Donc, on va l'emmener par là. De toute façon, on n'a rien à cacher parce que... Bon, on pourrait enlever tout ça, les connexions, là. Sans changer les... Voilà, comme ça. On peut empêcher le truc de se connecter sur tout le trajet quand on veut pas qu'il se connecte. Mais alors c'est de chaque côté qu'il faut faire, c'est un peu... De toute façon ici je vais faire un étage de déco. Il n'y aura rien, hein. Je vais tout remplir après de demi-dalles pour pas que ça spawn dedans. Pour pas que ce soit l'institut des zombies, hein, mais l'institut de recherche sur les zombies. Non, après, je vais avoir tous les roses là. Bon, on verra plus tard. Oh, flûte. Parce que sinon, ça, ouais, ça fout des crampons partout. Bon, sinon, on met du wireless. Hein. Bon, je verrai. C'est provisoire. J'improviserai ça quand on en sera à la déco. Le truc que je voulais se trouve ici. Oh là là, le chemin. Je crois pas. Hé! Voilà. Tink, tink, tink. Ce que je voulais faire, c'était ça. Toc. Ah, flûte! Ça a éteint cet écran. Pas si on le met comme ça. Voilà, sur le petit plus, ça reste toujours allumé. Donc là, c'est allumé. Ok, donc maintenant, je peux prendre... mon porte-à-spawner de zombies. Hein. J'ai toujours mes bottes rouges sur moi, donc c'est parfait. Je pète ça et je mets mon spawner de zombies, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va pas marcher. Mauvais pressentiment. On éteint la lumière. C'est horrible ce truc, faudrait que je change ce tuyau, je mette un jacketed. Ok, il tombe là. Est-ce qu'il s'est fait piquer? On ne sait pas. De toute façon, celui-là, c'était un verre normal. Je vais quand même prendre mon épée. Allez, où? Ici. Et tous ceux qui ressemblent pas à des villageois et qui vont arriver là, je vais les tuer. Comme le ferait le grinder. C'est tout? Je l'ai pas mis dans le bon sens. Flûte. On va faire quelque chose. Hop. Non, 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 tu montes pas. Voilà. Très bien. Nettement mieux. Ça, c'est des vrais zombies. C'est pas des PNJ. Bon, je les tue, j'en attends un. Je commence à me poser une question. Est-ce qu'un spawner de zombies peut faire spawner des zombies PNJ? C'est pas sûr. Il y en a eu un! Vite! Ah. Il est là. Est-ce qu'il va être transformé? Est-ce qu'il a été piqué? Oh. Allez, fais un effort. Allez, essaye de fuir. Oh non, il n'a pas été piqué. Pourquoi, docteur? Ou alors il met trop de temps à se transformer. Non, il n'a pas été piqué. Non, puis les autres lui font pas de mal parce que... Pourquoi il n'a pas été piqué?
Ça va trop vite. Mince. Oh si, ça a le temps de le piquer quand même. C'est pas de chance, ça. C'est ça. Non, il ne l'a pas piqué. Syringe. Donne-moi une syringe que je vérifie. Ce truc marche peut-être pas. Putain, si ça marche. Il en fallait peut-être une autre. Donc faudrait faire un autre couloir. On les pique encore une fois. Et après ça continue. Ça serait pas mal. Comment ça s'appelle? Un safari. Oui. Mais je t'aime bien, toi, tu vois. Hey, tellement que je vais quand même te prendre. Hein? Pourquoi je peux pas? Ah, fallait le pistolet, non, pour les avoir. Oh, flûte. Ah, et lui, c'en est un aussi. Bon. Je peux rien faire pour toi, mon gars. Hein. Si, j'ai pu te sauver. Syringe. Bah, pourquoi ça marche à la main? Il y a quand même un truc. Ou alors, c'est pas du bon côté, le biniou, encore? Avec les... Oh. Bon, je vais retravailler ma copie. Hein. Bon, moi, je crois qu'en fait, c'est le Veterinary Station qui ne fonctionne pas. Alors, je vais faire... Je vais mettre ça. Un Autonomous Activator qui fera des clics 3. Sur le first slot, si veut. Pourquoi ça se remplit pas? Parce qu'il faut que je mette frequency 23, celle-là dessus. Il faut que je lui dise que au-dessus c'est une entrée, n'est-ce pas? Et que sur ce côté-là c'est la sortie. Il n'a pas l'air de vouloir des ombres. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il veut bien les mettre dedans? Alors on peut le mettre high, low ou en face, normalement les deux cases. Ah oui, mais je ne sais absolument pas si c'est vraiment le dessus. Si, c'est le dessus, forcément. Bon, en bleu, c'est toujours l'entrée, on est d'accord. Ça marche avec l'Autonomous Activator. Il a été touché. Ah, évidemment, il y a le petit qui est en train de lui faire sa fête. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas sûr qu'il arrive vivant au bout quand même. Hein. D'ailleurs, il est mort. Flûte. Ah, c'est embêtant. Ah oui. Donc peut-être il faut faire le tri autrement. Bon, alors le Veterinary Station, c'est du caca. Ça marche pas avec ça du moins. Ça marche avec les vaches, mais ça marche pas avec ça. Donc le mieux, c'est l'Autonomous Activator. Et là, ça marche. L'étape suivante est de les trier. Bon, je suis assez content de la salle de... du labo, mais par contre, voilà, lui, ça transforme illico. Un seul suffit, tellement c'est efficace. Il faudrait pouvoir l'extraire, parce qu'il se fait tuer. C'est le petit, là, qui est embêtant. Il est en kikinant, lui. Meurs, toi. Tu me gâches tout mon test. Ou alors il faut rien mettre ici, le mettre que dans le coin là. Non. C'était bien d'avoir deux chances quand même. Et arrivé là, j'extrais les villageois. J'extrais les villageois.
peut pas les extraire ailleurs. Non, il faut le faire là. On va les extraire là et les emmener au-dessus. Et au-dessus, on va faire un souk avec Rycraft pour les emmener au village. Donc, je réfléchis à comment organiser l'extraction des PNJ avec le mob router. Et je remplace les autres Veterinary Station. Je sais pas s'il faut en mettre deux des Autonomous, du coup, ça marche très bien. Alors ça marchait pas directement, enfin j'ai cru, j'ai mis tout un système, ça marchait très bien sans en fait. C'est juste qu'il n'y a plus de tin parce que j'ai fait tellement de cellules. Je comprends pas pourquoi j'en ai pas davantage. Mais du coup ça marche très bien la biomasse et l'éthanol là, tellement bien que j'en ai énormément. Donc il va falloir l'utiliser hein. Et puis surtout vider. Alors je vais peut-être faire des tanks d'éthanol en fait. Comme ça on récupérera au moins les cellules d'éthanol. Voilà, je vais peut-être faire ça au sous-sol. Un réservoir d'éthanol ou même un Ender Tank. Un Quantum Tank, pourquoi pas. Un Quantum Tank d'éthanol. Ça me paraît bien pour récupérer les cellules. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Toute résistance serait futile.